Essaie de passer toutes les vitesses. Il faut être sûr que la transmission marche bien avant le départ. Tu vas aussi amener les pneus et les freins à la bonne température. Mais il ne faut pas que le moteur chauffe trop. Ne monte pas trop dans les tours. Tu t'es plutôt bien positionné sur ton emplacement. Maintenant, essaie de prendre un bon départ. Il faut à présent se concentrer sur le reste de la course. DRS autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement.
pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. L'écart avec la voiture qui te précède est de 4,4 secondes.
est passé derrière, reste concentré. Ok, vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Les mécanos ont eu du mal à mettre le nouvel aileron en place. Il faut mettre cet incident derrière nous et tout donner jusqu'à l'arrivée maintenant. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 25,1 secondes. Ok, camarade. C'est bon, la piste est dégagée devant nous. Alors profitons-en pour faire un tour rapide. À toi de jouer. Bien joué, tu n'as pas tremblé. Objectif atteint sans problème.
Tire entre cendres. La voiture de devant vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. On est à 5 secondes de la voiture de devant. Voyons si on arrive à réduire l'écart.
Continue sur ta lancée. Il faut qu'on réduise l'écart de 5 secondes entre nous et la voiture de devant. Ok, camarade. Aïe. Les dégâts sur l'aileron avant vont nous coûter cher. On doit regarder ça tout de suite. Il faut tout faire pour préserver cet aileron. La voiture de devant vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. L'écart avec le pilote de devant est de 10,3 secondes. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée.
Joli boulot. Tu as rempli cet objectif haut la main. Compris, tu rentres dans ce tour. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Notre retard sur la voiture de devant est de 16,8 secondes. Bon, vas-y. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 34,7 secondes. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Et c'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici à l'Albert Park. Trois victoires d'affilée, Julien. Et ce n'est pas anodin. Impossible de se cacher désormais. Vous devenez un peu la nouvelle cible à abattre.
Mais cette énergie nouvelle, ce momentum, ça galvanise énormément les pilotes. Vous pouvez me croire. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Eh bien, c'était sans conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement.